President, please be seated. Veuillez vous asseoir. The Defense Counsel for Mr. Nunchia, please resume your questioning. La parole est à nouveau à la défense de Nunchia. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. One very brief follow-up question. Question that I forgot to ask you, Mr. Witness. The next election in 2017, are you going to be running for the Cambodia People's Party, or are you going to be running for the CNRP, the party of Sam Rainsy? President, Council, could you inform the chamber about the relevancy of your question? La pertinence de votre question à la chambre? I can. It's because of a few things he said in his DC camp statement. I just want to know where his political allegiance is. It's public information. It's only one question. C'est une question de notoriété publique. Et ce n'est qu'une seule question. President, this question is out of the scope of the facts, so please move on to another line of questioning. Mr. Witness, let me go back to the period Between 1975 and 1979, entre 1975 and also the period before the liberation of Phnom Penh, April 1975. Can you tell us when it was that you joined the revolution? Pourriez-vous nous dire où vous avez rejoint, ou plutôt quand vous avez rejoint la révolution? Answer. I entered. Réponse. The revolution in 1973. C'est en 1973 que j'ai rejoint la révolution. Question. In which part of the country were you when you joined the revolution? Où étiez-vous au moment où vous avez rejoint la révolution? At Beji, Kampong Swai district, Kampong Thom province. Province de Kampong Thom. Is it correct that you became a member of what was known then as Division 1? Yes, it is under the command of Division 1, Battalion 502. Bataillon 502. And this Division 1, did that become Division 310 la division after the liberation of Phnom Penh? Après la libération de Phnom Penh? But answer, yes. Réponse. Division 1 later on became Division 310, that is correct. Est par la suite devenue and la division is it also 310, correct that the battalion that you were in, 502, vous étiez rattaché, became le bataillon 502, the 13th regiment after 1975? Yes, that is also correct. Réponse. Oui, c'est exact. Do you recall who the commander was of the regiment that you belonged to, the 13th regiment? C'est-à-dire le 13e régiment. Tahon, who was the command of 13th regiment? Du 13e régiment. Just to be clear, is it Tahon or Tahan? Tahan ou Tahon? Pour que tout soit clair. Tahumhon. 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 Question.
while at Division 1 and subsequently at Division 310, did you have a rank or were you rather a low-ranking combatant? Aviez-vous un grade élevé ou étiez-vous soldat du rang? Back then, I was a messenger of the regiment 13. À cette époque-là, j'étais messager du régiment 13. Question. In your DC camp statement, you call Dans yourself a low-ranking combatant. Is that an accurate description? Vous qualifiez de soldat de rang inférieur. Est-ce que c'est une description exacte de ce que vous étiez alors? President, you may now proceed. Lead call lawyer for civil parties. Mr. Witness, please hold on. You may now proceed first. Lead call lawyer for civil parties. Lawyer, Mr. President, I do not have any objection, but in questioning the witness, please, the counsel specify EON numbers and also the document number so that we could verify the information. Thank you, Mr. President. Yes, no problem. It is his DC camp statement E3/7523. English EON 008755567. French 00884227 and Khmer 00061157. Mr. Witness, at one point in time, did you also work at the General Staff Office of Division 1? Did you ever have a position within the General Staff Office of Division 1 before 1975? Est-ce que vous avez eu avant 1975 occupé une quelconque fonction au sein de l'état-major de la Division 1? Bureau d'état-major. Mon 75. Before 1975, I was not part of the division, but I was part of Regiment 13. Well, let me read to you what you said to DC CAM, and then I will ask you whether that is correct. Again, Mr. President, this E3/7523, English ERN 008755566, French 00884226, Khmer 00611566. You were asked a question about Tapok. Vous pose des questions au sujet de Tapok. And then you said I knew him because when I used to go to the battlefield, I worked at the General Staff Office and was in charge of logistics. And a bit further on that same page, you say. Question, do you mean the General Staff Office? Yes, the General Staff Office. And then the interview says, you've mentioned Takun, who was Takun. And then you say, he was the chief of the General Staff Office. What's his name, Kun? And then you say, Koitu. So, again, my question, first of all, is this what you said to the DCKM interviewer? D'abord, est-ce bien là ce que vous avez dit? Answer, à la personne avec qui vous vous entreteniez. Réponse. Yes, oui, Koitun was above Division 310 and he was part of the General Staff. Était au-dessus plutôt de la Division 310 et faisait partie de l'état-major. But my question was, when you were
working for the general staff office and being in charge of logistics. Lorsque vous was that étiez at the time when it was still Division 1, so before 1975, or was it when you were a member of Division 310 already? Ou est-ce que c'était lorsque vous étiez déjà membre de la Division 310? Autrement dit, est-ce que c'était avant 1975? Answer. I had already became part of the Division 310. Je faisais déjà partie de la Division 310. You just mentioned question. Already in your answer Khoytoum. Vous venez à l'instant, you also speak about Khoytoum, de parler de Khoytoum. Vous en in your WRI, dans votre procès-verbal d'audition, Mr. President, that is E3/5149, English, ERN 002050444, Khmer 001 7 0633, French, en français, 00 524 397. You talked about Khoytoum, and then you said Khoytoum was the military chief of staff above Ta'un. Chef militaire au-dessus. Is that correct? Ta'un. Is that what you said? Ta'un. Here. President, Mr. Winners, you only Monsieur speak after the microphone turns on. Attendez que le microphone soit answer, allumé that is correct. Pour répondre. Réponse, c'est exact. And who was Ta'un? Question, qui était Ta'un? Ta'un, answer, réponse. He was part of Division 310. Il faisait partie de la Division 310. Was he in charge of Division 310 and its predecessor excuse me, Division 1? Was he the boss? De la division or the military commander, rather? La Division 1, est-ce que c'était le chef ou plutôt le commandant militaire? Yes, he was the commander of Division 310, that is correct. C'était le commandant de la division 310. And in terms of military hierarchy, was Khoytoum in his turn the superior to Un, the commander? Un, le because he was the military chief of staff, is that correct? Puisque c'était le chef d'état-major militaire. Khoytoum was higher in rank. Khoytoum était son supérieur. I understand, but are you talking in military terms or are you talking rather in civil terms? Vous parlez en termes civilian civils. Terms. In terms of military, réponse. I mean. Je parle en termes militaires. Thank you. Question. Merci. Mr. Witness, let me ask you another name. Do you remember someone who was in charge un autre nom, of monsieur le témoin. Vous souvenez-vous district de 106, la personne qui était responsable du district 106, someone with the name of Sot, portant le nom de Sot. I do not know that individual. Réponse, je ne connais pas cet individu. Question. Maybe he is known by another revolutionary peut-être name. Do you recall who was in charge of District 106 de la personne qui était responsable in the du period district 1976-1977? District 106, Siem Reap, who 1976-1977, qui était responsable de ce district Siem Reap? I do not know. I réponse, do not know the person by the name Sot. Je ne connais personne du nom de Sot. That's no problem. Maître Coppe, eh bien pas de problème.
Mr. Witness, before I move on to the period after 75 and where you were stationed, let me ask you one additional question about Oon. You said in your DC CAM statement, and I will give the ERN shortly. You said that Oon was, quote unquote, promoted almost to the central committee. Quasiment au niveau du comité central. And we can see that, Mr. President, E3/7523. E3, Monsieur le Président, bar 7523. English. ERN en anglais. You say Ta'un was promoted to a high ranking position in the division and almost to the central committee. You recall saying that, and if yes, how did you know that at the time? Dans la division et presque au comité central. Comment le saviez-vous? I heard from Tahon, whom I was with, about the promotion. De la bouche de Tahon, avec qui j'étais. And when was Oon supposed to be promoted to the Central Committee? Do you know when that was? Question, savez-vous à quel moment il a été promu ou il devait être promu au comité central? I cannot recall exactly when. Je ne me souviens pas it happened a long time ago. I could longtemps. Not recall it. Je ne suis pas en mesure de me souvenir. I will come back extensively to Oon and Koytoum, but let me move on with some other questions first, Mr. Witness. Plus en longueur, mais je vais auparavant vous poser quelques you questions. Were a member of Division 310. Regiment 13, as you said. Vous étiez membre de la division 310, régiment 13, comme vous l'avez dit. Est-il exact also, que vous units of division 310 et les unités were de la division 310 étiez stationnés ou étiez postés au Wat Phnom, close to Psar Thmai, près du Psar Thmai, and also close to the Calmet Hospital, et près de l'hôpital Calmet. Bad. That is correct. Are there any other areas that Division 310 was stationed, or were these the main ones? Était-elle postée également ailleurs, ou les zones que je viens de mentionner étaient-elles les zones principales où se trouvait la division 310? It was also stationed at Chirang Chamre, Anlong Krongan, Tulkok, and Chiroi Chongva. And when you were working as a combatant for Division 310, et alors que vous étiez combattant pour which of la those division places were 310, you stationed? Do you recall? Où étiez-vous posté parmi ces endroits? Vous en souvenez-vous? First, I was stationed at d'abord, close to Psar Thmai. Later on, I was reassigned ensuite, to be stationed at the bridge of Chiroi Chongva at Thing Thai South. À la maison de Thing Thai. And what question. Was your duty? What were you doing as a Division 310 et combatant? Et quelles étaient vos obligations? Qu'est-ce que vous faisiez en tant que combattant de la Division 310? I was not specifically assigned to do any specific work. I was in charge of economic affairs, delivering rice to soldiers with Ta'ol. Is it correct that at one point in time in 1977, I presume at the end of 1977, you and your fellow regiment members were sent to the border with Vietnam to fight pour lutter Vietnamese troops contre les troupes vietnamiennes.
Réponse. That is correct. I was sent there. J'ai été envoyé là-bas. To join the attack against the Vietnamese. À la bataille contre les What is it that you remember? Question. Et à ce propos, doing, de quoi vous souvenez-vous? At the border, where were you que exactly, for instance? À la frontière, par exemple. Où étiez-vous? Où vous trouviez-vous exactement? I was in charge of radio communication system at the border, and I would report the situation of the front battlefield to the rear battlefield. La situation à l'avant auprès de l'arrière. And with whom do you mean the rear battlefield? Do you mean the commander of Division 310? Est-ce que c'était le commandant de la division 310, demande la défense? President, Mr. Witness, please answer only after the microphone is on. Lorsque le microphone est allumé. Answer. Témoin. At the time, I was with the artillery unit in charge of the radio communication system. I was under the division, not under the regiment. J'étais sous la houlette de la division et non pas du régiment. When you question. Were working as a radio operator radio, close to the border with Vietnam, près de la frontière iranienne, were you stationed in a place called Memot? Étiez-vous stationné à Memot? I was at réponse. Tropeang Thlong. J'étais à Tropeang Thlong. In Tbong Khmom district. Dans le district de Tbong Khmom. Tbong Khmom province. Province de Tbong Khmom. Before it was Kampong Cham province. Auparavant, c'était la province de Kampong Cham. Mr. Witness, in your DC CAM question, statement, E3/7523, English ERN 008-75554, Khmer 000-611-47, French 0088-4217. You talk about Memot in Kampong Cham. You also mention a town or a place called Latiyung. Vous parlez également de Latiyung. You say was in Sung Memot in Kampong Cham province. Sung, was it there Memot, that you were stationed? Dans la province de Kampong Cham. Est-ce que c'est là-bas que vous étiez en poste? No. Réponse: non. The big radio communication communication system was at Lok Chung, and I was at working at Tropeang Thlong. Et moi je travaillais à Tropeang Thlong. Just to make sure that I understand, where was Bung Kok? Pour être sûr que je comprenne bien, où était Bung Kok? I do not know the location of Bangkok. I have never heard of it. Où se trouve Bangkok? J'en ai jamais entendu parler. Well, let me read to you what question you said, and maybe dit. We can clear the confusion. Same page as I just mentioned. C'est la même page que celle que je viens President. De mentionner, Monsieur le Président, pour les ORM. I'm informed that the pronunciation might be a problem. Let me read the whole excerpt. Maybe it's clear. Alors, je vais lui donner lecture de votre réponse. Question. In which district and province dans were you stationed? Et dans quelle province Answer. In Memot. Was it Memot? Question. Yes. Memot? Then I moved réponse. From one place oui. to another, Ensuite, and later I was assigned to work at Bung Kok, where there were radios with big, long antennas. Let me also read the follow-up, because I have a question about what you're saying. You said, question au sujet de ce que vous and dites, I quote, vous dites et je cite,
When there was fierce fighting, we turned on the radios to communicate with the Vietnamese, Heng Samrin's and Hun Sen's groups. At that time, I did not know much. I also talked with Lok Ta Prum Din. And of course, Mr. Witness, do you recall saying this to the investigator of DC CAM? Avoir dit ceci aux enquêteurs du CDCAM. Yes, I did say that. It was not Bangkok. It was Bangkok. So Bangkok, not Bangkok. I said I do not know because the pronunciation I heard was Bangkok, but in fact it was Bangkok. I do apologize, Mr. Witness, for my bad pronunciation. But let me turn to that other part of the excerpt. You said when there was fierce fighting, we turned on the radios to communicate with the Vietnamese, Heng Samrin's and Hun Sen's groups. Can you explain to me what you meant with that? I heard through the exchange in the communication system, and we were instructed dans le système de radiocommunication to join forces and not to be engaged in war to kill our own Khmer people. Participer à la guerre en tuant les Khmer, notre peuple. Well, let me take it one piece by one piece. Procédons par ordre. Why was it that you turned on the radio to communicate with the Vietnamese? La radio afin de communiquer avec les Vietnamiens. I turned it on and they communicate the messages réponse. To J'allumais me. La radio et in fact, we were conducting a surveillance against the other, and the other also conducted the surveillance against us. I see, but were you in direct communication contact with Vietnamese question, troops? Je vois, mais étiez-vous en contact ou en communication directe avec les troupes vietnamiennes? I did not. I never contacted with the Vietnamese. I turned on the radio and I heard one insulted another. Were you in direct communication, direct radio communication with the troops of Heng Samrin and Hun Sen? Question, avez-vous entendu des communications directes avec Heng Samrin et Hun Sen? Back then, I réponse. Did not know the existence of such force. À cette époque-là, I accidentally turned on the radio communication radio system, and I heard that I heard the instruction that l'instruction selon laquelle we needed to lay down the weapons, and we were told to go back to the rear to take care of our parents, since our parents were allegedly killed. And I heard and I believe the messages, but I bought the situation at the time because I did not know where to flee. Let me see if I can try it differently. Maître Cope, voyons si j'arrive. Were Vietnamese troops, si je peux reformuler, est-ce que communicating les troupes by the radio with the troops of Hun Sen and Heng Samrin? De Hun Sen et Heng Samrin. I heard Khmer réponse. Were talking to Khmer people. J'ai entendu des Khmer they were Khmer. Speaking in Khmer. Ils parlaient Khmer. And the Vietnamese were speaking Vietnamese, and I did not understand the Vietnamese. Le Vietnamien, je ne comprenais pas le Vietnamien. Mr. Witness, do you know whether
Prime Minister Hun Sen, Monsieur le témoin, savez-vous si le Premier ministre Hun Sen, à un moment part donné, of, the North Zone forces, a fait partie des forces de la zone nord? I did not know réponse. Back then. I did not know je ne le savais that pas. Hun Sen was part of that zone. I did not know je ne savais pas back que Hun in the past. Faisait partie de cette zone-là. Have you ever heard of whether Prime Minister Hun Sen avez-vous jamais entendu and dire his si forces le Premier fled to Vietnam in June 1977? I was simply in the forest. I did not receive any information. I was not even allowed to turn on the radio. Pas le droit d'allumer la radio. I did not know which station or battlefield he was in. Je I did not know. Pas dans quel champ de bataille il se have trouvait. You ever heard station? That Prime Minister Hun Sen and his forces joined Vietnamese troops at the end of 1977 in order to get in contact with troops led by Heng Samrin. Did not hear anything about that Je n'ai rien during the time. Entendu de tel à l'époque. Because I was separate from en effet, them. We, je n'étais pas the avec unit eux. Was separate from unité the rest d'artillerie of the était séparée des autres soldats. And we could overhear the radio. Nous pouvions surprendre from the Vietnam side. Des conversations However, the radio person who des Vietnamiens spoke us, mais my person, and la personne they spoke qui parlait les gens qui parlaient our étaient Khmer et ils parlaient du fait que nos parents avaient été tués par les Khmer rouges. I will move away from the subject question. Maybe laissons returning to it after the break. Point de côté peut-être pour y revenir après la pause. One question still, il me reste toutefois une question is unanswered to me, à laquelle vous n'avez pas répondu. You speak specifically about Heng Samrin's troops and Hun Sen's troops. Why did you say that de to Hun Sen et de Heng Samrin? Pourquoi les avez-vous mentionnés à la personne du DCCAM qui vous a interrogé? I heard people saying about the troop. J'ai entendu des gens parler However, I did not hear de troupes, that he was at the other side or with the other side. I only heard that they were the groups that ran dans behind themselves j'ai in the forest. J'ai entendu dire que c'était un groupe qui s'était réfugié dans la forêt. Very well. Question. Let me move to Très bien, je passe à autre chose. Another subject, which is the most important reason that you are here today, à savoir, Mr. Witness. Le thème qui explique And that is the following. Premier plan, votre présence ici. Do you Je remember the arrest of your division Vous commander, rappelez-vous l'arrestation de votre commandant de division, Hun? And if yes, what do you what Et is si it that oui, you do remember about this? Quel souvenir en avez-vous gardé? Réponse. I recall it. Je At that time, souviens. He was called to receive a guest. Il a été convoqué pour accueillir des invités. Ensuite, il a disparu. His messenger came back Son and messager said that est probably revenu he had been arrested en disant because qu'il avait dû être arrêté he had disappeared for quite a long time. Puisqu'il avait disparu depuis pas mal de temps. And later on, I was called to Plus tard, attend a meeting j'ai été convoqué à une réunion au Wat Phnom. Then they play an audio Là, record. Un enregistrement sonore a été diffusé et j'ai entendu le bruit de chaîne. And then we were asked whether we recognize On nous a demandé the si voice. Nous reconnaissions la voix. And they said that
They were our fathers and mothers, and that they all had been arrested and chained. Qu'il s'agissait de nos parents arrêtés et enchaînés. I will get back to that subject, but let me first start with what you just said. D'abord, pour rebondir sur ce que vous avez dit. Vous dites que Un somewhere. A été invité quelque part. Où a-t-il été invité avant son arrestation, d'après vos souvenirs? Okay. Réponse. I cannot recall that clearly. Je ne m'en souviens pas bien. I did not know that location. Parce que je ne connaissais pas cet endroit. And I only heard from his messenger that he was J'ai seulement sent entendu to receive son messager a guest, dire qu'il avait été envoyé accueillir des invités. The messenger did not mention Mais le messager the location. N'a pas précisé l'endroit. When I was stationed in Phnom Penh, Quand j'étais stationné I never went à Phnom Penh, anywhere from where I was based. Je n'ai jamais quitté mon lieu d'affectation. It is indeed correct that you effectivement, talk about dans le PV d'audition, il est question de visiteurs, chinois en l'occurrence. Let me read to you what Je you said to vous donner DC lecture Cam, de ce que vous avez dit au DCCAM E3/7523 English ear 007-5576 5576 00884234 00006 11 65 65. Question. Now let me move up a bit. You said that Un was invited to a meeting Je passe at autre chose. The Chinese Vous dites que embassy. Un a été convoqué à une réunion, invité à une réunion à l'ambassade de Chine. His courier and others were invited to Ta the meeting. Un, and when they arrived at the meeting son messager site, et d'autres ont été invités à une réunion, arrivés sur place, des Khmer Rouges les ont encerclés et ont pointé leurs armes sur eux. Ati, close to me, told me about it. Un autre de mes proches me l'a rapporté. Question, Ati n'a-t-il pas été arrêté? No. Et vous répondez, non, le messager a été libéré. Did the courier tell you about the arrest? Est-ce que le yes, messager vous a signalé l'arrestation? It. Réponse oui. Was Un invited to a Chinese hospital? Est-ce que Un a été invité à un hôpital Answer, chinois? No, réponse was non, to the il a été invité embassy. À l'ambassade de Chine. Do you recall saying that, Mr. Vous rappelez-vous avoir dit ça? Yes, that is my statement because Réponse, that's oui, what c'est ce que I j'ai dit, heard. Car c'est ce que j'ai entendu. And I told that information, I passed on that information to the Et interviewer. Et j'ai communiqué cette information à la personne qui m'a interrogé. Do you recall where the Chinese Question. Embassy Vous rappelez-vous was, où était l'ambassade de Chine Un was summoned à laquelle to go to? A été yeah. convoqué Un Réponse. No, I do not recall that. Non, I do je not ne recall m'en souviens the location pas. Of the, je ne sais embassy. Plus où était cette ambassade. Because I was not familiar at all with the vicinity in Phnom Penh. Je ne connaissais pas du tout les différents quartiers de Phnom Penh. Sous le régime, je n'ai pas location. Été autorisé à m'approcher des endroits. Question. I understand, but was it where the Chinese embassy is now? Mais at Mao est-ce qu'il s'agit du même emplacement qu'aujourd'hui, sur le boulevard Mao Tse-Tung, ou bien est-ce que l'ambassade de Chine était ailleurs à l'époque? I do not know it's where about. Je ne sais pas où ça se trouvait. J'ai simplement entendu son messager évoquer l'ambassade de Chine. Question. It's a small detail, so I won't Ce n'est qu'un détail mineur. It, je ne vais donc pas m'apesantir longuement dessus. But Mr. Witness, there is another Toutefois, Division 310 soldier il y a un autre soldat de la Division 310 about, qui, lui aussi, the arrest of évoque Un l'arrestation and, de Un his invitation. Et de and son invitation. Mr. Witness, Mr. President, il s'agit sorry, E3/5641.
du document E3-5641, un combattant de la division 310, ERN en anglais 008-81783, en Khmer 00005540, et en français 00892737. Il dit que Un n'a pas été invité à l'ambassade de Chine, mais qu'il a été invité à l'ambassade de Corée avant d'y être arrêté. That would be possible too. Serait-ce possible également? Réponse. Only heard that he was taken to the J'ai seulement Chinese entendu embassy, dire qu'il avait été emmené à l'ambassade de Chine, même si j'ignorais l'emplacement de celle-ci. Now, question. Mr. Witness, why was it that Un Comment and others se fait-il were que you Un know? Et d'autres aient été arrêtés? Le savez-vous? Réponse. I only heard people saying that he was accused J'ai seulement of entendu betraying des gens dire party. Qu'il avait été accusé d'avoir trahi le parti. Question. I understand. Je comprends. Your answer, but my question is Je what, comprends what votre was réponse, it you knew mais yourself? Voici ma question. Que saviez-vous vous-même? So Je ne vous demande pas later, ce que vous avez entendu ultérieurement concernant les accusations portées contre cette personne. Je vous demande ce que vous saviez vous-même à l'époque. Réponse. J'en ignorais la raison. That Comme je l'ai dit, j'ai seulement entendu des gens dire qu'il avait été arrêté pour traîtrise. Again, I understand, but la défense, were you at the time à nouveau, je comprends. Mais à l'époque, est-ce que vous saviez si Un et d'autres membres de la division 310 fomentaient une rébellion ou un complot visant à renverser, à détruire Pol Pot? Réponse. Yes. Oui. I knew that je le savais. Je savais que Ta Un to agitate the people to projetait attack the government. De faire de l'agitation parmi la population pour qu'elle And attaque le gouvernement. That you knew, Question. He was going to do. What specific D'après ce que vous saviez, you know que se préparait-il à faire? Que saviez-vous de précis concernant les activités de Un et d'autres? I knew about Réponse. That. J'en étais au courant. Because At each location, they prepared Parce qu'à chaque uniforms endroit, and, ils avaient préparé weapons, des uniformes et des armes, and, boots, ainsi que des bottes. And those, equipments were, placed, Ce matériel in the various, units, and a I été placé dans différentes unités. Regiment 13. Je ne peux parler que du 13e régiment. However, these equipments were Mais prepared at ce matériel a été préparé dans division. Différentes unités de la division. And when the time came, they would Le moment change venu, their uniforms il était prévu qu'ils changent uniforms and, de tenue pour the endosser attack. Ces uniformes de camouflage and, pour passer à l'attaque. Ça s'est passé quand j'étais au Wat Phnom. J'en ai entendu parler. Question. Vous parlez d'uniforme de camouflage. What do you mean with that? Qu'entendez-vous par là? Réponse. Because the usual uniform was black. Les uniformes habituels étaient noirs. But They prepared Mais one room eux ont préparé they une have set up salle uniforms in sets. For example, 10 et sets ils of ont préparé plusieurs jeux d'uniformes. Par exemple, 10 ou 12 jeux d'uniformes militaires. C'était des uniformes militaires et non pas des uniformes noirs. I'm asking the question because, si je vous pose la question, When you answered the same question C'est parce about, qu'en réponse à la même question the developing, concernant the development of a traitorous plot,
You didn't speak about camouflage, le complot des traîtres, vous n'avez pas parlé d'uniforme de camouflage. Vous avez au contraire parlé d'uniforme de troupes paramilitaires. Peut-être est-ce une question de traduction, mais est-ce que c'est la même chose? Réponse. It was camouflage and c'était it was the same as the one worn by the paratroops. Des uniformes de camouflage identiques à ceux portés However, par les troupes paramilitaires. The quality of Toutefois, the uniform was not that great. La qualité des uniformes n'était pas très bonne. Let me read back to you la défense. You said to DC Chem and then we'll ask whether you agree with it. Je vais vous lire un extrait de votre déclaration au CDCAM. Question. Question. As far as you knew, in which unit was Ta'un à connaissance, when à quelle you unité were under appartenait Ta'un quand il vous commandait? Est-ce qu'il avait déjà mis au point yes. son complot de traîtrise? Vous répondez, oui, il l'avait déjà fait. Can you tell me more about that? Pourriez-vous préciser? And then you answer, et I vous répondez comme he suit. Was developing je savais qu'il mettait au point un complot parce que j'avais vu ces uniformes de parachutistes préparés à l'avance. À l'époque, j'étais à Choi Chanvar, mais j'ai pu me déplacer car j'étais près de mon supérieur. Je les ai vus préparer ces uniformes et parfois, je suis allé observer. Personne ne m'a jamais expliqué ce qu'ils faisaient. Ce n'est que plus tard que j'ai appris que ça faisait partie de leur complot de traître. Fin de citation. Mr. Witness, just now you said that you were at Wat Phnom, vous venez de dire que vous étiez à Wat Phnom, mais dans cette réponse, vous dites que vous étiez à Choi Chanvar quand vous avez vu ces uniformes de parachutistes. Which one of the two was it? Quelle est la bonne version? Mark. I was at Choi Chanvar. Réponse. J'étais à Choi Chanvar. And their location was at the propaganda office. Eux étaient au bureau de la propagande près du Psart Mai. And that was one location where I saw them arrange the uniform. Je les ai vus préparer des uniformes. Location when I saw je suis allé. However, my base was at Choi Chanvar. Ma base c'était à Choi Chanvar. Just now you also question. Spoke about, vous venez boots. D'évoquer des where bottes. Did those paratroop uniforms, ces uniformes those camouflage de parachutistes, ces uniformes from? De camouflage et ces bottes, d'où est-ce que tout cela venait? Qui avait remis ces uniformes et ces bottes à Un? After the liberation, réponse. Après la libération, ces uniformes faisaient partie du bulletin de guerre. Ils étaient de fabrication américaine. Ces uniformes ont été conservés, de même que des bottes de soldats. C'était des uniformes militaires et des bottes militaires appartenant à l'armée américaine et fournis à l'armée de l'ONNOL. And do you know where question. Un and others Un et les autres got these uniforms savez-vous from? Où ils s'étaient procuré ces uniformes? Had they been hiding these uniforms and boots somewhere? Avaient-ils caché do you know? Ce matériel quelque part? I did not know about from where they obtained those uniforms and boots. Je ne sais However, pas I only où saw ils se sont procurés ces uniformes et bottes. Uniforms je ne les boots. Ai vus que quand ils les ont préparés. You also mentioned question. Weapons. Vous avez What aussi kind of évoqué weapons, des armes. Did you see that quel were involved type in, d'armes avez-vous vu the development of the traitorous plot. Dans le cadre de ce complot de traître? Réponse. I did not know about the weapons for the infantry. Je n'étais pas au courant d'armes concernant l'infanterie, mais pour 13, ce qui est de l'artillerie et du régiment 13,
Doucet. Là, ils avaient des Doucet. DK-75, 82 et des Karanot. Mais je ne connais pas les détails concernant les armes de l'infanterie. And I could only say about the regiment 13, an artillery unit, qui était une unité d'artillerie. Did Un also American weapons? A-t-il aussi utilisé des armes américaines, des armes de l'armée américaine dans le cadre des préparatifs de ce complot? Réponse. The weapons were mixed. Il y avait différents types d'armes. Il y avait des armes de fabrication américaine ou chinoise, ou encore des armes de l'ancienne Union soviétique. And there were also some weapons from Il y avait Cuba. Aussi des armes de Cuba. What else is it that Question. You know? Que savez-vous d'autre? What you knew at the time que saviez-vous d'autre à l'époque concernant ce complot? That you knew of, avez-vous eu vent d'autres projets avant d'entendre ces accusations? After that, I did not know anything else. Réponse. Because, par la suite, je n'ai rien appris d'autre. En effet, il a ensuite été arrêté. Il y a eu des arrestations successives. Les chefs suprêmes et ceux qui étaient en dessous d'eux ont été arrêtés. Et donc, le complot a échoué. Question. Military assistance. By the United States, vous rappelez-vous quoi que ce soit concernant une assistance militaire fournie par les États-Unis à Un et à d'autres pour fomenter leur complot? No, réponse. I was not aware of that. And as I non, said, je n'ai rien su de tel. Comme je l'ai dit, je les ai seulement vus préparer des uniformes, uniforms, à savoir des uniformes américains. Did not know whether they were newly, they were new supplies, j'ignorais or they, remained from s'il the previous s'agissait regime. D'uniformes récemment fournis ou si c'était des vestiges du régime précédent. Question. Secret, savez-vous quoi que ce soit concernant des documents secrets containing information qui about aurait contenu des informations sur une assistance américaine? No, réponse. I did not, non, know anything about je that, ne savais rien de tel. Document. Je n'ai pas vu de tel document non plus. Let me see if I can refresh Question. Your memory. Je vais essayer de vous rafraîchir la mémoire. Again, your DCCAM statement, déclaration de DCCAM E3-7523. English year 00875575 Khmer 00611164 and French 00884433. They also organized women's units and three member units, and they planned. Ils prévoyaient de déployer une unité près de Wattenong, mais on ne me l'a pas dit. Only group chiefs or other seuls chiefs des chefs de groupe ou d'autres chefs ont pu time, être informés du complot. Mais à l'époque, j'ai aussi secretly. Lu secrètement leurs documents. Et la question, when you read their quand vous avez lu leurs documents, vous êtes-vous demandé answer. Ce qu'ils faisaient? Et la réponse, in one document, dans un document, there was a plan in which the United States would come in and help within 24 hours. Question. Question. Was there the signature of any person le on document the document? Portait-elle une quelconque signature? There was no réponse, signature. Non. Was it handwritten? Question.
or le document était-il manuscrit it ou was typed. Dactylographié? Et la réponse, dactylographié. Question. What were the contents of the document? Quelle était la teneur say du document? The US would come within 24 hours. Indiquait-il que les États-Unis arriveraient dans les 24 answer, heures? Et vous US répondez comme come suit, hours. Les États-Unis étaient censés arriver when dans les 24 heures. Were arrested, quand ces cadres ont été arrêtés, leur complot a été but I did not know the divulgué, reason for their arrests. Mais je ne savais pas pourquoi ils ont été arrêtés. You go on for ensuite, for a while, but vous let me continuez, stop here. Mais je m'arrête ici. Mr. Witness, do you recall having said that to vous rappelez-vous the avoir dit cela DC CAM? À l'enquêteur du DCCAM? Réponse. Yes, I did say that. Oui, j'ai dit cela. When exactly was it that you saw à quel this moment document? Exactement avez-vous vu ce document? It réponse. Seems that I did not see the document, je ne pense pas avoir vu ce document, mais je pense avoir entendu d'autres gens en parler de ce document. Question. I asked you earlier whether je vous ai demandé si on vous avait donné lecture de votre déclaration au DCCAM et si celle-ci consignait fidèlement vos propos. Or, vous dites ici, j'ai aussi lu leurs documents secrètement. Vous semblez donc avoir dit que vous aviez vu physiquement ces documents. Where was it that you read these documents? À quel endroit avez-vous lu ces documents? President, witness, please hold on, and le président, deputy témoin, veuillez attendre l'accusation à la parole. L'accusation. Objection quant à la forme de la question. Le témoin vient de dire qu'il n'a pas vu ces documents, mais qu'il en a seulement entendu parler. La défense ne peut pas poser une question qui présuppose le contraire de ce qu'a dit le témoin. La défense, je vais reformuler. Mr. Witness, just now you said, Monsieur le témoin, that you heard vous venez de dire que vous avez seulement entendu parler de ces documents, mais dans la déclaration CDCAM, vous dites, je cite, « J'ai aussi read lu their documents secrètement leurs documents. Which of the two is it? Did you hear about quelle it, est la bonne version? Est-ce que vous en avez entendu parler ou est-ce que vous avez vous-même lu ces documents? Réponse. I only heard about it. J'en ai seulement entendu not, parler. Read it. Je ne les ai pas lus. I don't recall that I said that I je ne me rappelle pas avoir dit because, que j'aurais lu ces documents, documents puisque j'ai seulement entendu des gens en parler. But who was it then that told question. You that it was mais a alors, typed document, qui vous a dit que c'était un document dactylographié, non signé? Qui vous l'a dit? Réponse. I heard it from Ta-eun's messenger. Je l'ai entendu de la bouche but du messager de Ta-eun, the document. Mais je n'ai pas lu le document. La défense. What else do you remember that Ta-eun's messenger told you about this document? Que vous a dit d'autre le messager de Ta-eun concernant ce document, d'après vos souvenirs? Military assistance would come within 24 hours. A-t-il dit que dans les 24 heures, par exemple, une assistance militaire serait apportée? Réponse. I did not know about that. Je n'en savais rien. US je ne savais rien concernant une but quelconque assistance américaine. The 24 hours period. En revanche, j'ai entendu parler de ce délai de 24 heures. Question. Mr. Witness, are you aware of any special relations between? Êtes-vous au courant d'une éventuelle relation spéciale the North Zone entre? And la zone nord
United States military or l'armée United States américaine intelligence, ou encore les services de renseignement américains. Êtes-vous informé de l'existence d'une relation particulière entre des gens tels que Eun et Khoitun, d'une part, et les États-Unis, d'autre part? Réponse. No, I was non. not aware of such relationship Je if it existed. N'ai pas été informé d'une telle relation, si tant est qu'elle ait existé. Question. Je vais vous citer les propos confiés dans le document E3-5641 au DCCAM par un combattant de la 310-0088-1777 en anglais, en Khmer 000-55. 1, 3, 4 et 3, 5, French, 0, 0, et en français 0089273. 1, and this is what, the combatant, je vais citer les propos de ce combattant. Said, the North was affiliated Le with the United Nord States, était associé aux États-Unis, while those in Svairing and tandis que ceux qui étaient à Svairing et à Preveng étaient associés au Yun. The Southwest was on le the Khmer Rouge sud-ouest side. Était dans le camp des They Khmer Rouges. There were three parties. Ils étaient différents, il y avait trois parties. Question. Et la question, How were they affiliated de quelle façon with the étaient-ils States? Associés aux États-Unis? They had an affiliation. La réponse, il existait un For lien. Example, after Par they exemple, had toppled any side, They would be supported S'ils avaient renversé by the quelqu'un, United States. Ils auraient reçu ensuite l'appui des États-Unis. Fin de citation. Can you react Pouvez-vous to that statement réagir from a ces propos Division 3 then, combatant, de quelqu'un qui, comme vous, était soldat au bataillon 310? I do not know how to react to that statement. If somebody knew about it, somebody said something about it, but I did not know about it. It's generally more conducive to getting answers in actually asking a specific question as opposed to generally how do you react to it. Il serait peut-être plus judicieux de poser une question spécifique. Let me follow up with a very specific question. Mr. Witness, did you, were you aware of cette réponse pour poser une question let spécifique. Me rephrase. Did you know whether Un, si have any connections with Americans? Avait une connexion did you know quelconque what avec Un's previous military position might have been? Avec les Américains, savez-vous quelle était la position militaire précédente de Un? I did not know about his relationship with the United States Je or ne savais with pas the military. Quelles étaient ses relations avec l'armée ou avec les États-Unis? During the regime, with régime, my limited capacity, I was not allowed to go anywhere limitée, near him. Je ne pouvais President, I thank you, Council. It is now convenient time for our lunch remercie, break. We take a break now and resume at 1:30 this afternoon to continue our proceedings. And Mr. Witness, please Merci return to the courtroom before 1:30. Security personnel, please take his point to the waiting room downstairs and have him return to attend the proceedings this afternoon before 1:30. The court stands in recess. Sum chuyên croc chua.